Vient d'un monde éloigné du vôtre. J'ai traversé un océan d'étoiles pour atteindre la Terre. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, ce genre d'annonce n'appartiendra bientôt plus à de la fiction. Une quantité de questions, de révélations ont fait qu'actuellement, la question qui anime l'humanité depuis la nuit des temps à observer les étoiles a peut-être un petit espoir de réponse. Il y a tant d'éléments sur Terre et observables depuis la Terre qui ont mené à des théories conspirationnistes, des enquêtes impossibles, des chaînes YouTube telles que celle-ci, à révéler l'évidence face à la logique la plus controversée de la planète. Quand nous regardons au milieu de la nuit la voûte étoilée, nous percevons environ 2500 étoiles de notre galaxie, soit à peine un centième de millionième du nombre d'étoiles que comporte notre galaxie, et la quasi-totalité d'entre elles se trouve à moins de 1000 années-lumière, ce qui représente 1% du diamètre de la Voie lactée. En fait, nous ne voyons presque rien. Pour donner encore un peu plus le vertige, il y a donc entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie, et à peu près le même nombre de galaxies dans l'univers observable avec nos moyens actuels. Pour donner un ordre d'idée, cela signifie qu'il existe dans l'univers 10 000 étoiles pour chacun grain de sable présent sur Terre. Notre planète a 4,5 milliards d'années. L'univers en a plus de 13 milliards. Il existe des planètes et des soleils qui ont 6, 7, 8 milliards d'années. A-t-on idée de ce que peut être une civilisation de centaines de millions ou de milliards d'années? Elle nous serait aussi incompréhensible que la civilisation humaine pour des fourmis. Les civilisations avancées se heurtent à des barrières naturelles, technologiques et scientifiques infranchissables que nous ne connaissons pas encore. Nous sommes incapables de les percevoir parce que notre technologie est trop peu avancée et qu'ils ne veulent rien à avoir à faire avec nous. Nous sommes trop peu évolués. De telles conclusions nous viennent des plus grands mystères de notre planète. Que nous parlions ici des origines de la vie, de la construction des pyramides de Gizeh ou encore du très célèbre crash de Roswell. Quel secret renforme la zone 51 ? Comment une civilisation telle que la nôtre a pu évoluer en 2000 ans comme jamais elle ne l'a fait en 100 000 ans? Tous ces éléments nous lient à ce qui nous entoure dans notre propre galaxie et au-delà. L'univers est un spectacle fascinant que nous fait découvrir la NASA et l'Agence spatiale européenne grâce à ses télescopes spatiaux Hubble et plus récemment Kepler. Leurs caméras explorent un quasi-infini et montrent des phénomènes stupéfiants avec, entre autres, la découverte d'une multitude de galaxies aux couleurs et aux formes époustouflantes. C'est une révélation pour les scientifiques et un pas de géant pour l'astronomie. Dans la galaxie la Voie lactée, où se situe notre système solaire, les astrophysiciens découvrent également des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. Leur similitude avec notre planète Terre les rendrait susceptibles d'être habitables. La Voie lactée compte 100 milliards d'étoiles et l'univers observable au moins 100 milliards de galaxies, elles-mêmes incluant une multitude d'exoplanètes. Ces découvertes ont remis en question l'interrogation sur l'hypothèse de l'existence de formes de vie sur d'autres planètes, et avec cette hypothèse revient l'interrogation récurrente sur l'existence des ovnis. Sont-ils un produit de l'imaginaire, un mythe ou une réalité ? Le sujet ne peut pas être traité avec dérision. Depuis la nuit des temps, les hommes ont le regard tourné vers le ciel, interpellés par les diverses manifestations qu'ils peuvent y avoir et avec des interprétations des plus diverses, souvent basées sur des croyances en des entités supérieures ou des puissances divines. Ainsi, par exemple, dans la mythologie grecque, les phénomènes naturels tels que le vent, l'orage et la foudre
était provoquée par les dieux qui se manifestaient ainsi. Grâce à ses recherches et à ses découvertes, l'homme a pu démystifier bon nombre de ces phénomènes et approfondir la connaissance de son environnement. Mais des temps les plus lointains dans le ciel, d'autres visions plus allégoriques sont mentionnées dans les écritures saintes de quasi toutes les religions et reproduites sur des tableaux bibliques notamment. La science-fiction apparue dans la littérature à la fin du 19e siècle, ce thème de littérature et de films se développa rapidement jusqu'à nos jours, très souvent avec succès. Depuis, les découvertes vis-à-vis de l'espace et de notre technologie ont évolué, faisant de ce type d'ouvrage de réelles simulations en cas d'invasion extraterrestre ou de découverte de planètes habitées. La science-fiction a mis en place un ensemble de représentations. Elle nous a familiarisés avec l'idée d'une invasion, d'une visite venue de l'espace, d'êtres non humains. La science-fiction va alors fournir un ensemble stéréotype de représentations des ovnis. C'est que nous ne les connaissons qu'à travers un phénomène et de témoignages et également quelques très rares photos, d'ailleurs souvent difficiles à interpréter. Il est très difficile de nier qu'il y ait des manifestations non identifiées, observées dans le ciel à proximité du sol, et parfois même au sol, des phénomènes que l'on ne comprend pas. En 1947, en pleine vague d'observations d'objets insolites dans le ciel des États-Unis, dans le désert près de Roswell, au Nouveau-Mexique, une actualité allait et continue d'effrayer les chroniques. Le 8 juillet, la base atomique de Roswell révèle qu'ils ont trouvé une soucoupe volante, écrasée dans le désert, et cette nouvelle fait le tour du monde très 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 vite. Les deux affaires de Roswell, car il y aurait eu deux crashs, ont fait la notoriété mondiale de la ville qui leur a donné son nom. Il reste à ce jour un mystère jamais réellement éclairci, ni par les explications des divers services du gouvernement américain, ni par les enquêteurs et les journalistes. Tous les acteurs de cette affaire n'ont cessé de varier dans leur version des faits ou leurs interprétations suivant les intérêts qu'ils pouvaient y trouver ou leur croyance ou non en la visite d'extraterrestres. L'affaire s'est encore compliquée en rebondissant en 1993 avec la diffusion de photos et d'un film sur l'autopsie du cadavre d'un des quatre aliens supposés avoir été découverts dans les débris de l'un des crashs. À ce jour, à peu près tout le monde s'accorde à dire que ce fut une supercherie. C'est sur l'instigateur et sa motivation que les avis divergent encore. Les plus fervents défenseurs de l'hypothèse de visite d'extraterrestres et pour eux d'une désinformation sur le sujet se base, entre autres, sur des documents déclassifiés. Ces derniers décrivent précisément de très nombreuses observations de disques ou autres objets volants non identifiés aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. La matérialité de ce phénomène n'est pas démontrée, or il existe des documents qui les démontrent. Il y en avait 85 000 en 1985. Si le phénomène du mystère des ovnis a débuté aux États-Unis, il s'est rapidement propagé sur toute la planète. Les témoignages abondent et quelques rares photos présumées authentiques ont fait la une des journaux. Avec le développement des smartphones, des dizaines de vidéos véridiques apparaissent tous les jours sur YouTube provenant du monde entier et présentant exactement les mêmes phénomènes. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le phénomène ovni est réel. Le nombre d'idées reçues que l'on peut avoir sur les soucoupes volantes est incalculable. Les vidéos fake polluent aussi le débat car les sceptiques se confortent à l'idée que tout cela ne peut exister. La désinformation sur ces phénomènes est indéniable. Pour différentes raisons liées au fonctionnement des radars, comme par exemple l'altitude ou la furtivité des objets volants, peuvent échapper à une détection. Dans le grand public, de nombreuses personnes s'intéressent aux hypothétiques visites venues d'ailleurs. Certains en doutent, d'autres y croient fermement. Les plus passionnés se regroupent dans des associations ufologiques pour tenter d'appréhender au mieux le mystère, mener des investigations dont elles communiquent souvent les résultats. Nous sommes dans une phase où, sans le savoir, nous, terriens, sommes peut-être à la veille de trouver un moyen d'aller beaucoup plus vite dans l'espace, et que dès l'instant où nous aurons trouvé ce moyen rapide,
nous allons peut-être poser des problèmes, parce que nous sommes assez nuisibles. Entre nous, nous sommes très nuisibles, tout comme envers tout ce qui vit sur notre planète. Qu'en sera-t-il lorsque nous serons susceptibles d'être considérés comme des parasites de l'univers ? Une technologie exogène, autrement dit non terrestre, a survolé nos installations nucléaires civiles et militaires partout dans le monde depuis maintenant 8 ans. Les plus importantes manifestations telles que les Lumières de Phénix, le 13 mars 1997, relatent d'appareils d'altitude difficile et de taille qui dans tous les cas sont hors de nos normes terrestres. Parmi les nombreuses formes d'ovnis rapportées par les témoins, celle du cigare ou du cylindre est d'un intérêt particulier car ces engins, souvent de taille gigantesque, sont observés à de rares occasions. Très impressionnants, ils ont la particularité de se déplacer lentement et peuvent laisser derrière eux une traînée de vapeur. Des chasseurs d'ovnis ont découvert quelque chose de très intéressant sur de nouvelles images prises par des caméras de la NASA. Celles-ci nous montrent ce qui semble être un étrange objet sphérique en train de se fixer sur le Soleil. Sur les clichés, on peut observer une mystérieuse orbe rougeâtre flotter autour du Soleil. Pour les ufologues, cet engin non identifié serait d'origine extraterrestre et son objectif serait de pomper l'énergie émise par cette étoile. Très rapidement, ces images ont été associées à la célèbre étoile Caïssée, dont personne ne trouve toujours aucune réponse au mystère de son oscillation. Vous trouverez une vidéo en suggestion à la fin de ce reportage, il est conseillé d'activer les sous-titres. Par ailleurs, si les extraterrestres avaient visité la Terre, on aurait probablement trouvé des preuves concluantes, des matériaux ou des types de radiation n'existant pas chez nous, des objets d'une technologie supérieure. Mais tout ce que nous avons aujourd'hui sur les ovnis ou sur les civilisations extraterrestres disparues ne sont que des témoignages humains ou des hypothèses invérifiables. Aucune évidence matérielle irréfutable n'a pu être apportée. Théorie du complot mise à part. Mais pourquoi n'a-t-on pas encore pris contact avec E.T. ? Plusieurs raisons sont envisageables. Nous nous basons sur notre technologie, basée sur les rayonnements électromagnétiques. Ceci ne représente peut-être qu'une phase dans le développement technologique d'une civilisation. Et des extraterrestres plus évolués peuvent déjà être passés à d'autres modes de communication que nous ne savons pas encore détecter ou que nous n'avons pas pensé à chercher, comme les neutrinos ou les ondes gravitationnelles. Le temps de la civilisation électromagnétique sur Terre est très petit en regard des dimensions de l'univers, seulement deux petits siècles, une fenêtre de détection bien limitée. D'autres pistes sont évoquées aujourd'hui. Rechercher dans l'infrarouge les traces que laisseraient les vaisseaux spatiaux voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière ou encore élucider le mystère des sursauts rapides. Ces émissions d'une énergie colossale qui pourrait provenir d'autres galaxies. Même si dans ce dernier cas de l'hypothèse d'un message d'E.T. est assez marginale. Nous n'avons pas encore tout observé. Prenons le cas des exoplanètes, on a commencé à les découvrir que depuis le début des années 90 et nous ne sommes qu'au début de cette recherche. Le télescope spatial Kepler n'a observé qu'une infime partie du ciel visible et on a déjà trouvé quelques milliers. Avant de détecter des traces de vie, sans parler de vie intelligente, il faudrait peut-être encore des dizaines d'années. Ils sont beaucoup trop loin. Selon une étude récente, il pourrait y avoir en moyenne 1000 années-lumière de distance entre deux civilisations. Pour une communication aller-retour, cela représenterait donc des milliers d'années. Encore faut-il que les civilisations technologiques disposent de ce temps-là et simultanément. Le fait que les êtres biologiques intelligents se transforment peu à peu en robots super-intelligents est une thèse en vogue. Si cela s'avérait exact, des super-civilisations n'auraient plus grand-chose en commun avec nous et auraient autre chose à faire que venir nous dire bonjour. Nous sommes seuls dans l'univers, c'est probablement la théorie préférée des créationnistes qui insiste sur l'unicité de l'espèce humaine, mais ce n'est pas vraiment consistant avec les probabilités. Vu le nombre d'étoiles rien que dans la Voie lactée,
le nombre d'exoplanètes déjà découvertes dans un tout petit échantillon d'entre elles, les milieux pouvant être favorables à la vie que nous rencontrons, déjà dans notre système solaire, les océans, sur les lunes de Jupiter et Saturne par exemple, se dire que la vie n'a pu apparaître qu'autour d'une étoile modeste dans la banlieue d'une galaxie ordinaire, semble d'un irréalisme absolu. À moins que les civilisations technologiques sont-elles condamnées ? Une autre hypothèse est beaucoup plus inquiétante. Elle imagine qu'il pourrait y avoir un élément dans l'histoire de toutes les civilisations planétaires qui provoque leur chute ou leur disparition totale. C'est ce que l'on nomme la théorie du grand filtre. Elle a été développée en réponse au paradoxe de Fermi, lui apportant ainsi une réponse brutale. Comment cela se produirait-il ? Les possibilités sont nombreuses. Toute espèce qui reste uniquement sur sa planète ou dans son système solaire d'origine est vulnérable à des catastrophes globales, d'impact d'astéroïdes, éruptions de supervolcans, épidémies décimant la population, guerre totale, éruptions solaires géantes ou supernova, dérèglements climatiques irréversibles, la liste est malheureusement ouverte. Mais ce n'est pas tout. Une autre explication pour le grand filtre serait liée à des événements qui se produisent régulièrement dans les galaxies. Les sursauts gamma. Pour certains scientifiques, des explosions de supernova émettraient des radiations qui se propageraient ensuite sur des milliers d'années-lumière et seraient capables d'anéantir la vie sur leur passage. De quoi nous donner froid dans le dos. Pour faire preuve d'un peu d'optimisme, on peut espérer que les terriens vont coloniser le système solaire et se lancer dans le saut vers d'autres étoiles le plus rapidement possible, ne serait-ce que pour donner à notre espèce une chance supplémentaire. En attendant, de nombreux astronomes professionnels et amateurs sont à l'écoute du ciel. Peut-être tomberont-ils bientôt sur un signal qui sera incontestablement émis par une espèce extraterrestre. Cela ne nous permettrait probablement pas de communiquer avec eux, nous sommes toujours limités par la vitesse de la lumière et les distances entre les étoiles. Mais cela nous apporterait au moins une réponse incontestable sur la place de l'intelligence dans l'univers et éloignerait le spectre du grand filtre. La lumière est une limite absolue qui ne peut pas être dépassée. 300 000 km/s, ceci en théorie bien sûr. Et dans l'état actuel de notre science, qui au début de ses découvertes, toute tentative pour explorer notre galaxie prendrait un temps, des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années, incompatible avec la durée de vie d'une entité biologique ayant des caractéristiques semblables aux nôtres. L'argument est recevable si nous considérons l'état actuel de nos techniques d'exploration spatiale, mais il perd vite de sa force si nous nous plaçons dans une perspective plus large. Aussi, nous pouvons envisager sans aucun problème la possibilité que des civilisations extraterrestres ont une avance technologique telle qu'elles ont surmonté cette barrière de la vitesse de la lumière et ont trouvé des solutions originales pour explorer la galaxie. Si les ovnis sont des vaisseaux d'origine extraterrestre, il faut bien admettre que ces vaisseaux disposent d'endroits ou de bases pour stationner. Cette idée semble plus raisonnable que celle qui voudrait qu'ils fassent l'aller-retour à partir de leur planète d'origine, chaque fois qu'ils viennent nous rendre visite sur Terre. Une autre hypothèse suggère que si les vaisseaux extraterrestres ne rejoignent pas des bases, peut-être se regroupent-ils à l'intérieur de vaisseaux géants, encore appelés vaisseaux-mères, qui dériveraient à l'intérieur du système solaire. Les deux hypothèses peuvent d'ailleurs coexister. La présence de bases sur les astéroïdes n'exclut pas celle de gigantesques vaisseaux-mères. Nous savons en effet que de nombreuses observations signalent la présence, dans notre environnement, de vastes structures volantes qui ne sont pas d'origine humaine. Évidemment, vous penserez au Chevalier Noir. C'est Nikola Tesla qui a été le premier à avoir intercepté un signal de ce satellite d'un autre monde en 1899. Référencé par certains comme simple ordure spatiale, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord et croient que les objets communément appelés le satellite Chevalier Noir est une sonde alien mise en orbite autour de notre planète il y a 13 000 ans. Quand il a été découvert, il a causé tout un bourdonnement dans les nouvelles. Les États-Unis et l'Union soviétique
ont manifesté un intérêt particulier pour cet objet spatial non identifié. Il a été abattu ce 19 mars 2017. Étrangement, la NASA a coupé ses caméras de l'ISS qui émettaient en direct au moment des faits. Nous supposons que les créateurs de ce satellite sont responsables de sa destruction. Sa mission, peu importe soit-elle, est terminée. Étrangement, au moment de sa destruction, l'humanité devra vivre à crédit de ses ressources naturelles. Cela signifie qu'en 7 mois, nous avons émis plus de carbone que les océans et les forêts ne peuvent en absorber en un an. Nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres, récolté davantage et consommé plus d'eau que la Terre ne peut en produire pendant la même période. Il est assez évident que nous sommes soit une planète protégée comme une réserve naturelle, soit sous la protection ou le règne d'une autre race extraterrestre. Les gens se demandent comment de nombreux appareils différents viennent ici. C'est comme si les extraterrestres n'étaient pas autorisés à dire bonjour. Pourquoi ? Parce que nous sommes gouvernés depuis le premier jour. Une logique assez simple, d'autres extraterrestres nous rendent probablement visite, mais ils ont un accord consistant à n'avoir aucun contact avec nous. Sinon, comment expliquer les cercles de culture, les graffitis ? Ils se disent probablement « les pauvres humains sont esclaves, j'aimerais pouvoir le leur dire ». Des objets étranges volant près de l'ISS sont des phénomènes courants. Malgré une myriade d'anomalies mystérieuses détectées par les amateurs d'OVNI, la NASA et les autres agences spatiales opérant à partir de l'ISS refusent presque invariablement de traiter directement les revendications des ufologues concernant les soi-disant rencontres avec des extraterrestres ou leurs visites sur Terre. Bien souvent, les caméras sont rapidement coupées en cas d'apparition en live. Une vidéo vous sera suggérée en fin de documentaire. Paul Hélier, ministre canadien de la Défense, a déclaré publiquement « Les ovnis sont aussi réels que les avions qui volent au-dessus de vos têtes. Le temps est venu de dévoiler publiquement qu'il existe des civilisations extraterrestres civilisées qui visitent la Terre. » Il a déclaré que les extraterrestres avaient grandement contribué aux avancées technologiques de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Les mises en garde de M. Stephen Hawking, célèbre astrophysicien, concernant le danger d'un contact avec des visiteurs extraterrestres ont provoqué une réaction vigoureuse de M. Paul Hélier. Il ne comprend pas pourquoi et comment ce dernier puisse développer un tel point de vue. En affirmant de façon alarmiste qu'un contact avec des étrangers de l'espace pourrait conduire à la destruction de l'humanité. Plus récemment, l'astéroïde interstellaire Oumuamua traverse en ce moment même notre système solaire. Il s'agit non seulement du tout premier astéroïde de ce genre à être observé par nos télescopes, mais la forme même de l'astéroïde ne cesse d'intriguer puisque ce dernier est 10 fois plus long, 400 mètres, que large. Cette découverte officielle d'un astéroïde interstellaire semble bien opportune juste avant que les divulgations officielles sur le programme spatial secret et nos relations avec d'autres espèces ne débutent. Cet astéroïde permet d'introduire la notion de vaisseau extraterrestre. Une récente réunion intergalactique a décidé que ce sont les Pléiadiens qui ont une histoire génétique commune avec nous et très proche physiquement, qui seront les premiers à entrer en contact officiellement avec la planète. Vous trouverez dans l'onglet en haut à droite de cette vidéo une suggestion de mon reportage « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» qui vous donnera plus d'informations sur les Pléiadiens. Vous trouverez aussi dans cet onglet le lien vers ma page Tipeee sur laquelle vous pouvez me soutenir. Chaque soutien, des 1 euro par mois, va me permettre de continuer les vidéos de Nicolas M. Et pour être complètement sincère avec vous, je vous avoue que je rêverais de consacrer tout mon temps à la chaîne car j'ai une tonne d'idées, de sujets, de reportages, d'expériences sociales, etc. Je travaille seul, mes vidéos me demandent beaucoup de temps et ce n'est pas mon activité principale. Venez me soutenir. Revenons à nos moutons. Déjà, des photos prises dans les anneaux de Saturne nous montraient la présence de plusieurs grandes formes allongées, donc cela n'est pas exceptionnel, sauf pour les populations qui sont endormies par les médias officiels. Donc il faut commencer à les réveiller. Les fans de science-fiction seront donc heureux d'apprendre que l'Institut SETI,
Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche d'une intelligence extraterrestre en français, écoute actuellement l'astéroïde avec ses puissants radiotélescopes. Aujourd'hui, la multitude d'exoplanètes découvertes, notamment par les télescopes spatiaux comme Kepler, serait plutôt un début de démonstration que nous sommes loin d'être uniques et que les planètes rocheuses en zone habitable, donc les possibilités d'apparition de la vie et d'évolution de la vie intelligente, ne seraient pas rares. Et pourtant, les conditions pour aboutir à une vie complexe qui aille au-delà des seuils micro-organismes serait particulièrement difficile à réunir, ce qui fournirait une réponse au fameux paradoxe de Fermi, qui pose la question de savoir pourquoi nous n'avons pas encore eu de contact avec une vie intelligente extraterrestre, si elle est aussi répandue que cela. La vie complexe est née d'une combinaison de circonstances au fil du temps, et pour les tenants de la Terre rare, c'est cet ensemble qui est difficile à obtenir. Lorsqu'on veut aujourd'hui définir l'habitabilité d'une exoplanète, on prend principalement en compte trois éléments. Premièrement, elle est rocheuse et de masse et de dimension proche de celle de la Terre, jusqu'à deux fois environ. Secondement, elle se trouve à une distance de son Soleil où elle reçoit ni trop ni trop peu de lumière, ce qui permet à l'eau liquide d'exister, et c'est un élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Troisièmement, elle est protégée des radiations solaires, les plus dangereuses par un champ magnétique. Mais ces conditions ne sont peut-être pas suffisantes. La position du Soleil dans la galaxie est la nature de la Voie lactée. Éliminons d'office les régions et les types de galaxies elliptiques irrégulières, où les étoiles sont pauvres en éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, car elles ne permettraient pas la naissance de planètes rocheuses avec un cœur chaud. En outre, être trop près du centre galactique expose à d'autres dangers, comme les radiations issues d'explosions de supernova, qui y sont plus fréquentes. La configuration du système solaire, la présence des géantes gazeuses à l'extérieur de l'orbite terrestre, la protégerait contre un bombardement beaucoup plus massif et fréquent par des astéroïdes et des comètes, tenus à l'écart notamment par Jupiter. Les géantes gazeuses stabilisent également les orbites dans l'ensemble du système. Il doit y avoir une activité géologique tectonique des plaques. Celle-ci permet l'émergence de masses continentales du champ magnétique et favoriserait la diversité biologique. Les bons éléments au bon moment, la quantité d'eau adéquate, ni trop ni trop peu de carbone, évolution de l'oxygène, température et pression de l'atmosphère favorables. Enfin, la Lune. Si l'on compare avec la Terre, on remarque de loin qu'il s'agit presque d'un système de planètes doubles. Pour les autres planètes, les satellites sont de taille beaucoup plus petite que la planète autour de laquelle ils tournent. La formation du système Terre-Lune serait d'ailleurs le résultat d'une collision entre la Terre primitive et une planète de la taille de Mars. Et la Lune joue aussi un rôle stabilisateur propice à la vie sur notre planète. Les nuits seraient beaucoup plus sombres, pas de pleine lune, premier quartier et autres qui éclairent nos nuits d'insomnie, au lieu de durer 24 heures, un jour n'aurait que 6 à 12 heures. La force de gravitation exercée par la Lune a ralenti la rotation de la Terre. Le calendrier serait différent. Sans les lunaisons, les mois et les semaines n'existeraient pas et nous n'aurions que les saisons pour marquer les différentes périodes de l'année. Certes, il y a d'autres calendriers, mais généralement plus complexes. Certains calendriers se basent par exemple sur le lever du soleil dans les constellations du zodiaque. Nous aurions probablement trouvé des moyens de diviser le temps autrement, mais cela n'aurait probablement pas été aussi simple. Les marées seraient beaucoup moins importantes, un tiers de ce qu'elles sont aujourd'hui. La Lune exerce en effet un important effet de marée sur la Terre. Si elle disparaissait, il n'y aurait alors que l'influence du Soleil pour produire les marées. En outre, la Lune influence de nombreux processus biologiques. L'axe de rotation de la Terre varierait bien davantage. C'est son obliquité qui provoque le phénomène des saisons. Plus la Terre est inclinée sur son axe, plus les saisons sont marquées quand on s'éloigne de l'équateur. Ce sont les variations de cette inclinaison, pourtant minime, 1 degré, qui explique l'alternance des périodes tempérées et des aires glaciaires. Sans la Lune, ces variations pourraient devenir beaucoup plus importantes et plus fréquentes, avec de possibles conséquences
sur l'habitabilité de notre monde. Oui, mais la Terre n'est pas un modèle. Est-ce pour autant suffisant pour condamner la possibilité d'évolution de la vie sur d'autres planètes ? Des études récentes pointent dans une toute autre direction. Pour être habitable, une planète n'a pas besoin d'être la compie conforme de la Terre. Ainsi, les super-Terres, planètes rocheuses, plus grosses et massives que notre planète, jusqu'à 10 fois sa masse, pourraient être particulièrement propices à la vie, même si la gravité y serait plus élevée. Les astronomes René Heller et John Armstrong ont ainsi défini des mondes super-habitables, planètes de 2 à 3 fois la masse de la Terre, tournant autour de naines rouges, oranges, plus petite et plus vieille que le Soleil. La Lune n'est pas indispensable. L'inclinaison de l'axe terrestre ne varierait que de 10 degrés de plus sans la Lune. Si la Terre tournait plus vite, elle se stabiliserait elle-même avec l'aide des autres planètes, notamment Jupiter. L'absence de Lune n'aurait probablement que des conséquences mineures, selon les scientifiques. La vie ailleurs, les ovnis, nos origines, sont des questions auxquelles nous répondrons un jour. Il est primordial de se les poser et d'oser en parler. C'est une démarche de conviction et non de science, car je suis convaincu que la réponse dépasse de loin l'entendement et la logique. Nous trouverons de la vie en dehors d'une zone d'habitabilité, nous découvrirons de la vie qui sera apparue en dehors de nos critères de recherche habituels, nous trouverons des systèmes de communication que nous comprendrons jamais, car cela est hors de notre portée, à l'image d'un escargot qui regarderait les voitures passer aux abords d'une autoroute.